Da Fresh Morning. On est toujours en direct de Libreville, l'émission reste la même, c'est bien sûr le Da Fresh Morning en version A Fresh Morning. Voilà, 9h passe exactement de 18 minutes, on a reçu notre premier invité, Monsieur Lewis Mba. On passe bien sûr à la deuxième membre d'aujourd'hui, il s'agit bien sûr de Lizzie Marie, qui... Lisa Marie, merci. Lisa. Mais toi tu es une habituée hein, de Urban FM déjà. Un petit peu. Alors, bonjour Lisa, comment tu vas? Bien et toi? Ça va très bien, il faut le rappeler, tu es responsable marketing du côté de Marina Foods. Exactement. Et tu viens aujourd'hui pour nous parler bien sûr de la semaine de la découverte à partir qui est prévue pour en fait qui démarre le 15 avril. Exactement. Dans 10 jours. Dans 10 jours, exactement. De quoi s'agit-il exactement? Alors, on a eu envie de faire redécouvrir Mayena Food parce que finalement, les gens ne savent pas forcément ce que c'est Mayena Food. Ouais. Ils entendent parler du Don Vincenzo, ils entendent parler du Skylife. Ouais. Mais en réalité, il y a 5 points de vente différents dans le building. Ouais. Et c'est intéressant pour nous aussi de revoir cette conversation parce que nos cartes vont évoluer. On a énormément d'événements qui arrivent. Mm-hmm. Ça bouge tous les jours à Mayena Food. Oui. Alors, il y a déjà la semaine de la découverte. C'est ça. On va découvrir quoi? Et alors, pourquoi la semaine de la découverte en fait? La semaine de la découverte, c'est parce que chaque jour, il y a un nouveau menu ou un nouveau spot à découvrir. Mm-hmm. Lundi, on commence avec Ovima, la gastronomie gabonaise. Mm-hmm. Mardi, c'est le Mesa avec la cuisine mexicaine. Mm-hmm. Et le mercredi, c'est le Masala Mahal. Mm-hmm. Avec la cuisine indienne. Ce qui est intéressant donc, c'est que de 18h à 21h, on a une remise de 30%. Mmh. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir ces restaurants parce qu'en fait en réalité si on n'aime pas à la base la cuisine indienne, ouais, on va pas forcément aller au Masala Mahal, mais si on n'essaie pas, on sait pas si on aime en fait. Ouais. Donc c'est vraiment une opportunité de redécouvrir nos cartes parce que nos cartes bougent. Mmh. Et c'est vraiment l'opportunité aussi de faire le tour du building parce qu'en fait quand on vient manger à Ovima, au Mesa ou au Masala Mahal, mmh, on peut finir la soirée au Skylife, mmh, qui est notre bar lounge dans le ciel. Mmh. Donc je sais pas, je pense que je t'ai déjà vu au Skylife. Plusieurs fois. Je pense que tu connais bien le Skylife. Ça c'est donc, pas possible ça. Voilà, tu vois, il faudrait qu'on puisse permettre aux gens de découvrir et puis de redécouvrir en fait, mm-hmm, la nouvelle formule de Mayena Food. Mm-hmm. Donc on est vraiment sur ouvrir un peu plus les portes, ouais, et faire connaître un peu mieux nos produits. Ouais. Alors on voit déjà ici les réductions on a le lundi par exemple moins 30% pour ça c'est ce qui concerne Ovima. Ouais. La gastronomie gabonaise. Ok. Alors mardi, on a le chef, oui, Ella Merlin, mmh, donc il y a un Gabonais qui, ouais, a été primé récompensé, mmh, et donc qui revisite tous les produits gabonais en fait, mmh, de l'antilope à la badame. C'est un magicien en fait. Il fait des choses, il fait des cromesquis de bananes plantains. Ouais. C'est une vraie expérience culinaire à vivre et à partager à deux ou à plusieurs. C'est vraiment sympa. Ouais. Alors ça signifie que quand on veut consommer bien sûr gabonais, il suffit justement de se déplacer, oui, le lundi. Est-ce que c'est uniquement le lundi parce que je vois 30% ou bien c'est juste parce qu'il y a juste la réduction le lundi? Écoute, c'est la semaine de la découverte, donc on a décidé de faire vraiment un gros flash sur selon les 30%. Restaurants. En fait. Voilà, mais en fait c'est 30% le lundi, mmh, à Ovima, mmh, mais c'est 30% le mardi à Mesa, mmh, oui, et c'est 30% le mercredi à Masala Mahal. En fait, la question que je voulais poser c'était, ouais, par exemple le mardi si j'arrive à Ovima, est-ce que je n'aurais plus des réductions? Ben non, mais viens je lundi. Pourrais quand même consommer. Complètement. Mais je pourrais consommer complètement. Ovima est ouvert du lundi au samedi, oui, en fait. Mmh. Mesa est ouvert tous les jours, oui, toute la journée, mmh, et le Masala Mahal aussi est ouvert tous les jours, mmh, le midi et le soir. C'est plus simple d'appeler pour réserver en fait. Mmh, donc on a la possibilité de faire les réservations. Totalement. Le numéro de téléphone, on aura la possibilité de le donner. Oui. Ok, donc avant la fin de l'émission, semaine de la découverte, donc c'est du lundi au dimanche. Oui, mais il n'y a pas que ça qui se passe à Mayena Food cette semaine. Ouais. Dimanche, on a Tina qui vient nous faire un showcase live, mmh, au Skylife, mmh, donc à partir de 18h. Mmh. Ça s'appelle le Showcase Skylife. Mmh. Ça fait un mois que ça dure. Tous les dimanches à partir de 18h, on a un mini concert privé en live au Skylife. Mmh. Donc
le bonheur d'être dans le ciel avec vos artistes préférés en concert privé, c'est Maïena. Et pour cette semaine de la découverte, est-ce qu'on aura également les 30% de réduction du côté du Maïena Du côté du Skylife. Écoute, en vérité, la nouvelle actu du Skylife, c'est le retour de l'Happy Hour. Le Happy Hour commence plus tôt, il commence à partir de 16h jusqu'à 19h. Ça, c'est exceptionnel. On est les seuls à faire ça. Et non, il n'y aura pas de 30%. Mais il y a le Happy Hour de fou qui commence aussi le 15 avril. Donc ça va être intéressant. À partir du 15 avril, il y a tout qui bouge à Maïena Food. Éternelle question qui arrive forcément en ce qui concerne le Skylife ou encore le Maïena en termes général. On a l'impression que les produits, les prix ne sont pas toujours à la portée de tous. On a l'impression que c'est destiné à une certaine catégorie de personnes. Est-ce que tout le monde peut se déplacer et pouvoir consommer? Mais complètement. Ça soit dans les restaurants ou encore au niveau du Skylife. Mais complètement. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on vit une vraie expérience quand on vient à Maïena. On est complètement plongé dans un univers différent en fonction des différents espaces. Qu'on soit chez le glacier italien, qu'on soit au Don Vincenzo, qui est plus une espèce de bistrot en terrasse. La vérité, Maïena, c'est accessible absolument à tous les prix. Parce que c'est ça qui est intéressant. Vous avez des ambiances différentes. Bien sûr, si vous avez envie de manger de la gastronomie gabonaise, ça ne vous coûtera pas le même prix que de venir manger une petite glace. Mais c'est ça qui est génial à Maïena. C'est que vous pouvez venir avec 10 000 francs, passer un très bon moment à deux, manger une glace, boire un jus, boire un petit cocktail au Skylife. Avec 10 000 francs. Avec 10 000 francs. À partir de 10 000 francs, même pour deux, c'est possible. Imagine, la crêpe à Morelli's, elle coûte 2 000. Tu rajoutes une petite boule de glace, tu rajoutes un petit jus de fruits. T'as passé un super moment pour 7 000 balles. Donc, en fait, en réalité, aujourd'hui, il faut absolument sortir de tout ce qui est préjugé et venir découvrir Maïena Food. Non, mais c'est pas toujours évident de venir découvrir quand on sait que dans les poches, on en a pas assez. Il vaut mieux aller découvrir en sachant au moins peut-être les prix, comme tu viens de le dire. Justement, ce qui est génial, c'est que... Là, au moins, on sait déjà qu'avec 10 000, on peut quand même se déplacer, voir le menu, voir ce qu'on peut prendre et ensuite rentrer. Quoi. Mais ce qui est génial, c'est que sur notre site internet et sur nos pages Facebook, tu vas avoir les menus et les prix, en fait. Et il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler pour prendre des renseignements, parce qu'on est là pour ça. Et justement, c'est une manière aussi de se rassurer pour les gens qui sont peut-être pas très à l'aise. Mais en réalité, c'est vrai que Maïena, c'est un cadre qui est très beau, qui est très sécurisé, puisqu'on a un vrai parking avec une équipe de sécurité qui est présente en continu. Donc c'est vrai que tout de suite, on se dit « Ouh là là, c'est super cher !» Mais aujourd'hui, de la qualité, de la sécurité, de la convivialité et un petit peu d'exotisme, c'est possible, à un prix qui est raisonnable. Bien sûr, si tu vas à Ovima, que tu as envie de te faire le... Vraiment, la grande tablée avec entrée, plat, dessert en gastronomique, bien sûr qu'on monte un peu au niveau du budget. Mais sincèrement, en faisant le tour du building, il y en a vraiment pour tous les prix et tous les goûts. Mais ça, le mexicain, par exemple, pour 10 000, tu as une assiette complète pour une personne, avec une spécialité mexicaine au choix, avec une manière de composer ton menu qui est complètement libre. Donc vraiment, il faut appeler, il faut aller sur Internet, regarder sur le site Internet. Vous me rappelez les coordonnées Alors, c'est www.maïenafoods.com www.maïenafoods.com et il y a les pages Facebook. Donc sur Facebook, on a Life by Maïena, on a le Mesa by Maïena, on a le Don Vincenzo by Maïena, on a Morelli's by Maïena, on a le Masala Mahal by Maïena. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il faut juste venir regarder. Alors, on va faire un récapitulatif de tout ce qui va se passer du côté du Maïena Foods. Donc, avoir la semaine de la découverte. À partir du 15 avril. Okay. Voilà. Alors, dimanche, on va faire dans l'ordre chronologique. Okay. Dimanche 18h, le showcase avec Tina. À partir du 15 avril, la semaine de la découverte. 30% dans chacun des différents spots. Lundi Ovima, mardi Mesa, mercredi Masala Mahal. Et la réouverture du Happy Hour du Skylife. Donc, toujours à partir du 15, de 16h à 19h. L'infoline. Haha, donc c'est le 07. C'est toi qui dis l'infoline. Alors attends, je te donne ça. 07 04 89 89. D'accord. Le 07 04 52 52. 07 04 89 89.
0704-52-52. Je crois que le message est bien passé. J'espère. Rappelez que les gens ont la possibilité d'aller sur internet dans www.mainafoods.com pour avoir toutes les informations inhérentes, bien sûr, aux différents produits. Et sur Facebook. Maïna. Sur Facebook également, voilà. Il y a les représentations donc, des différents restaurants sur Facebook selon différents goûts, les différents univers. Oui, avec les menus en même temps. Donc, et les prix. Donc, vous avez la possibilité d'aller regarder afin de mieux mesurer ce que vous avez et surtout ce que vous pouvez consommer. Si jamais vous avez envie de faire un tour du côté du Maïna. Lisa, Marie, merci d'être passée chez nous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir reçue ce matin. Allez, nous, on va repartir bien sûr en musique avec donc Nada, un gros son qu'on aime bien également amené par BGMFK qui accompagne le jeune ADB. Stop Fresh Morning.